Et 12 va à braver le désert océanien sous un soleil de plomb, une houle absente, un vent inexistant, 95 km à la force des bras pour rejoindre Wahine et Bora Bora. Au final, Shelva remporte la victoire en 6h39, bien loin de son record l'an dernier. Team Wahine complète le podium, de belles performances malgré des conditions très difficiles et surtout une bonne préparation pour la Hawaii Kinui. En novembre prochain, Charles Tenauri de Shelva à Eriki Eitamai de Team Wahine saute au micro de Johan Buit. L'année dernière, il y a eu du plaisir à l'armée et du gros surf, mais cette année, minime pour les vagues. Hein. Il y a eu quelques vagues à surfer, mais c'était dur quand même, hein. Pas caché. Hein. L'objectif quand on vient à chaque course, ben, c'est d'abord de gagner. Hein. Après les adversaires, c'est... après on jauge. Hein. Mais on reste toujours veillant sur les adversaires. Hein. Après, au niveau de la performance aussi, on était assez confiant. Bon, on a la famille Amine qui est de Wahine, on a Kevin, du coup le cap, on savait où aller. Mais on s'était dit qu'on allait aller au combat. Donc après c'est Shell qui est revenu sur notre cap. Hein. Du coup, ça nous donnait encore plus de confiance. Après on s'est accroché à eux, s'est servi un peu d'eux, et on savait qu'ils allaient nous tirer. Et la sécurité a été renforcée pour cette course avec 8 bateaux suiveurs sur le plan d'eau. Une mesure prise suite à l'accident survenu lors du Fa'ati Moorea le mois dernier. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.